Et yop les gars, c'est Keroz, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo les potos. Donc aujourd'hui on va se faire la tour Freedom qui est juste derrière moi. Vous avez été nombreux à me demander de faire ce tuto, donc voilà, c'est chose faite. Donc on va commencer sans plus attendre. Alors il vous faudra pour ce tuto des verres bleus, du béton blanc, des verres gris clair, des verres cyan, des demi-dalles de stone, hein, normal. Des carpets, donc des tapis gris clair, ouais j'avais mis des gris clair, de la ficelle ainsi que des vitres grises, voilà, basique. Donc c'est parti, on va commencer sans plus attendre les gars. Ok les gars, donc dans un premier temps vous aurez besoin d'une parcelle de 37 par 37, donc un carré. Et puis nous allons tout de suite prendre la white concrete, donc le béton blanc, pardon. Et nous allons monter sur 26 blocs de haut. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, oula. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Voilà, 26 blocs, c'est parfait. On va faire ces piliers dans chaque coin du carré. Donc voilà les gars, une fois qu'on a fait ça, on va tout simplement relier les pylônes entre eux. Donc tout simplement, hop. Donc on va relier le premier et ensuite je vais faire hors vidéo les trois autres. Voilà, donc on a notre grand cube, hein, une espèce de cube là. Maintenant, au-dessus de chaque pilier, nous allons remonter cette hauteur finale à 33. Donc là nous étions à 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Voilà, impeccable. Donc ça on le fait aux quatre piliers et ensuite on va tout simplement pouvoir commencer. Vous voyez cette forme géométrique qui est tout particulier à cette world ou cette One World World Trade Center. On va y arriver, putain, mais quel abruti. Donc voilà, on fait ça et on se retrouve juste après. Ok les gars, donc on a terminé les petits piliers. Donc là nous sommes avec des piliers de 33 de hauteur. Donc une fois qu'on a fait ça, on va faire cette forme comme je vous l'expliquais juste avant. Donc pour ce faire, tac, on se décale et vous saurez, il n'y a jamais un bloc qui se touche. Ils se rejoignent juste par la diagonale ici, vous voyez. Quand on regarde le cube de face, ils se rejoignent par une diagonale. Donc là, nous allons faire un premier pilier de 3, 9 de haut. Donc 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà, je vérifie juste pour pas qu'il y ait de décalage. Donc on a bien nos 9 piliers, vous voyez là dans la petite parenthèse de World Edit. Et on va faire ça jusqu'à ce que les deux côtés se rejoignent. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà, impeccable. Et bien entendu, il faut le faire en même temps de l'autre côté. Donc en fait, il faut faire un petit peu tous les côtés en même temps. Donc 5, 6, 7, 8, 9. Je crois qu'on est pas mal. Hop. Non, on en a 8. Oui, j'ai bien fait de vérifier. Sinon, on aurait été décalé. Donc voilà, on va faire ça jusqu'à ce que tout se rejoigne. Et puis, on se retrouve juste après. Ok les gars, donc on arrive au bout de la première façade. Vous avez vu que j'ai pu bien galérer. Donc 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Impeccable. Et pareil de l'autre côté. Pour que ça se rejoigne parfaitement en un seul morceau qui refait 9 de haut. Donc 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà, parfait. Donc, une fois qu'on a fait ça, ben on va faire pareil de tous les côtés, puis on se retrouve juste après. Donc une fois qu'on a fait nos quatre façades, nous allons tout simplement aller tout au-dessus de la construction ici. Et là, hop, on va rejoindre en diagonale tous les points, tous les pics en fait, les plus hauts sommets de chaque façade. Donc hop, là on se dirige d'une façade à une autre. Voilà, c'est parfait. Alors il faut garder ces cubes là, hop. On enlève ceci, voilà, c'est parfait. Et on rejoint tous les autres.
Et voilà, c'est terminé. Donc, on détruit les derniers blocs. Et une fois que ceci c'est fait, bien entendu, on le met sur deux blocs de hauteur. Donc, on double la hauteur partout où on a rejoint nos diagonales. Voilà, c'est parfait. Donc là, on a vraiment notre structure qui est dessinée. Il n'y a plus qu'à remplir tous les diagonales et toutes les façades avec des vitres bleues. Donc pour ce faire, on reprend, comme je vous l'avais dit au début de vidéo, les vitres bleues, les verres bleus, voilà, tout simplement. Et on va remplir tout simplement cette énorme masse sur les quatre façades et je vous expliquerai ensuite pour les diagonales. Donc voilà, j'ai rempli déjà toutes les façades, donc c'est déjà une bonne chose de faite. Et maintenant, donc on va faire le plus chiant, c'est les diagonales. Donc pour ce faire, moi je vais vous donner un petit conseil, c'est de commencer par le haut ou le bas. Enfin ouais, c'est tellement chiant que j'ai pas de conseil en fait. Donc voilà, il faut tout simplement remplir les diagonales en diagonale. Donc attention à ne pas se tromper, hein. Hop, vous remplissez bien comme ça. Et ainsi de suite, donc au début ça va vite, à la fin c'est moins vite, tout dépend par quel côté vous commencez. Mais en tout cas, il faudra remplir ces quatre diagonales. Donc voilà les gars, j'ai fait ma première diagonale, il en reste 3 à faire, donc voilà un petit peu le rendu que vous devriez avoir. Donc voilà, moi j'y retourne, je vous souhaite bon courage et à tout à l'heure. Ok les gars, c'est parfait, on a terminé les vitres extérieures, pardon. Donc maintenant, on va resélectionner notre vert gris clair ainsi que notre vert cyan. Et on va tout simplement faire, vous voyez ces petits motifs rayés là. Donc on va partir d'un côté et puis on va alterner un sur deux. Avant toute chose, j'aimerais remplacer ceci par de la lightstone. Alors par contre, je sais plus le code d'item. Donc voilà, je suis en train de remplacer du coup les lignes jaunes par de la glowstone. J'avais complètement oublié comment ça s'appelait. Donc une fois que ceci est terminé, on reprend, comme je vous le disais, donc les verts gris clair avec le vert cyan. Et on va commencer par un gris clair sur le bord, donc ici. Et on va alterner un sur deux, tout simplement. Tac. Et puis, bien entendu, vous le remontrez jusqu'au-dessus, donc jusqu'au 26e bloc, du coup 25, comme le 26e c'est celui-ci là. Donc on remonte vraiment jusqu'ici sur les quatre côtés et puis on se retrouve juste après. Pardon, moi je me lance un petit peu. Je vous disais qu'on se retrouvait juste après, mais pas tout à fait puisqu'on n'a pas fait les portes. Donc ça va être un petit peu embêtant si vous allez devoir les recasser ou quoi que ce soit. Donc pour les portes, c'est très simple. Donc je sais pas si vous avez vu, il y a une petite porte et une grande porte hein, pour varier un petit peu, et puis en réalité c'est comme ça également. Donc pour ce faire, c'est assez simple. Vous allez reprendre votre white concrete, donc le béton blanc il me semble, et vous allez tout simplement vous décaler de 13 blocs pour pouvoir y poser votre premier pilier pour faire votre porte. Donc là on en était où? 1, 2, 3, 4, 5. Alors en plus je suis daltonien, alors pour moi je vois aucune différence entre ces deux couleurs des fois. J'en suis à où? 2, 3, 6. Donc 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Voilà, parfait. Donc là, hop, premier bloc pour la porte. Et pareil pour l'autre côté, donc à 13 blocs, on commence par les verts gris, je vous le rappelle. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Voilà. Et là, donc, on a notre porte. Petit problème, c'est que je ne sais plus sur combien de hauts je les ai faites. Ouais, c'était 11, c'est ça, je savais plus si c'était 10 ou 11. Donc, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. On va y arriver. Voilà. On rejoint les deux piliers. Comme tout à l'heure, voilà, c'est parfait. On va remettre un coup la météo, et voilà. Donc là, on a notre petite porte. Ensuite, vous voyez qu'il y a deux trois motifs. Donc là, vous allez sélectionner
votre vitre grise ainsi que des portes en métal, je crois que j'avais mis. Hop, voilà, on va remplacer par ça. Donc porte en métal, et puis je reviendrai prendre les items qui sont par terre pour ouvrir les portes. Donc là, très simple, on va juste reculer d'un bloc pour avoir un petit peu de, ben, un petit peu de 3D, un petit peu de, je sais plus comment ça s'appelle. Donc là, pour ce faire, hop, on double la porte, donc on double les blocs, bien entendu. Voilà, c'est parfait. De ce côté-là, c'est pareil. Une fois qu'on a fait ça, bah on va tout simplement décaler les glowstones, hop, pour pouvoir y entreposer juste devant des blocs de béton gris ou des blocs de ce que vous voulez en fait. Voilà, moi j'ai recouvert en stone comme ceci. Là, je les avais fait en stone normal, juste là. Donc, à vous de voir, hein, c'est en fonction de votre trottoir, de votre endroit où vous le faites également. Bref, assez parlé. Donc, là, vous posez hop, les verres gris. Voilà. Donc, hop, ici, on aura notre première porte et ici, notre deuxième. Voilà. Donc, là, c'est parfait. Les portes, on les pose comme ceci et comme cela. Voilà. Et juste devant, du coup, on va remettre le béton juste après. Mais attendez. Là, je remets une deuxième couche de hauteur. Voilà, à partir des portes. Et ensuite, on va faire ce petit abri là. Donc là, on va reprendre. Tac, tac, tac. Je vais prendre les blocs là. Donc, c'est des clays. Hop, donc un petit peu d'argile ici. Et on va tout simplement faire ce petit abri là juste devant. Donc là, on le part d'ici, ici et ici. On remet deux demi-dalles sur le bloc supérieur, enfin sur la partie supérieure. Voilà. Et on va tout simplement y poser des tapis gris. Hop. Donc petite technique pour poser les tapis quand vous ne pouvez pas, il vous faut tout simplement du fil. Donc le fil, on le place un bloc dessous. Donc hop, voilà, comme ceci. Et on peut enfin poser nos tapis. Pareil pour l'autre partie. Tac, on va y arriver. Voilà, c'est parfait. Donc le fil se voit pas trop hein, quand on est à longue distance, même à courte, faut faire attention. Vous voyez là, je passe juste en dessous, des fois on ne le voit même pas. Et puis de toute façon, il n'y a pas le choix de le faire comme ça. Je vais juste remettre un petit coup la nuit là, parce que ça va plus. Voilà. Et l'autre partie supérieure, donc la vitre, vous voyez, qui est juste au-dessus des portes, et bien vous la remplissez tout simplement de verre gris. Hop. Donc une fois qu'on a fini la petite porte, on va s'attaquer à la grande porte. Hop, voilà. Donc que je vous explique, la petite porte qu'on a fait ici, vous la dupliquez en face, voilà, symétriquement. Et pareil pour la grande que qu'on va faire ici, vous la dupliquez en face symétriquement. Voilà. Donc pour la grande, c'est un petit peu plus simple. On reprend nos verres gris. Hop, voilà, je les ai. Donc là, on va se décaler de 9 blocs. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Pareil pour de l'autre côté. Ok, donc désolé les gars, on a été coupé. Heureusement, j'ai rien perdu. J'avais plus d'espace sur l'ordi. Du coup. On reprend avec le béton blanc que l'on va emmener sur 11 blocs de haut, pareil que tout à l'heure, donc 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Hop, on l'emmène de l'autre côté. Voilà, c'est parfait. Alors, pour les portes, cette fois-ci, c'est très simple également. On va juste décaler la glowstone. Hop. Parfait. Et ça, on va l'enlever. Hop. Voilà, c'est parfait. Alors, je disais,
Bien entendu, on double la porte, comme tout à l'heure. Voilà. Pareil pour le dessus et pour l'autre côté. Ça n'a pas changé, hein. Il n'y a pas de mystère. Voilà. Et donc là, on va pouvoir poser nos portes. Donc les portes, c'est très simple. On part d'un côté, on laisse deux blocs d'espace, on pose une double porte. Pareil pour de l'autre côté. Et ensuite, toutes les portes seront à un bloc d'écart. Donc hop, ici et ici. Voilà. Donc là, vous voyez que toutes les portes sont symétriques. Voilà, c'était juste ça qu'il fallait faire attention. Ensuite, on repart sur 4 blocs de haut. Donc 2, 3 et 4. Voilà. On fait tout le tour comme ceci. Voilà. On rebouche autour des portes. Voilà. N'oubliez pas les blocs de séparation. Et là, on est pas mal. Alors, je vais juste resélectionner, hop, mon argile. Je crois que c'est de l'argile, hein, clay en anglais. Voilà, je le repose comme ceci. C'est parfait. Et une fois que j'ai fait ça, bah c'est bon. On peut, hop, on peut refaire les abris. Donc là, hop, je pose ici à un bloc d'intervalle. Ensuite, j'en refais un ici, ici et ici. Voilà. Donc un bloc sur les côtés et deux blocs entre chaque. On remet deux demi-dalles au bout, dans la partie supérieure du bloc. Voilà. Et je vais tout simplement poser mon fil pour pouvoir y poser mes futurs tapis. Hop, attention, des fois c'est un petit peu chiant à poser, faut pas se louper, j'allais dire, mais bon, c'est pas grave si vous vous loupez. Hop, voilà, et ici, à ne pas oublier non plus, c'est parfait, je crois que je l'ai oublié de l'autre côté, je le remettrai juste après. Hop, et on remplit de tapis gris. Voilà, c'est parfait. Ici, ici. Et donc là, j'avais oublié mes fameux fils. Voilà. Et on termine en repassant par-dessus. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, on va tout simplement, hop, reboucher cette grande fenêtre. Cette grande fenêtre qui sert à avoir un petit peu de luminosité à l'intérieur. Voilà. Hop, je rebouche ici, ici. Et puis après, donc, on va tout simplement pouvoir poser les vitres rayées là que je viens de vous montrer en faisant les portes. Comme ça, vous savez où est-ce que vous devez les poser. Voilà. Donc, on est reparti avec nos vitres grises claires et nos vitres cyan. Et on va tout simplement rejoindre, hop, la première partie du bâtiment qui se trouve ici. Donc j'ai pas précisé, mais bien entendu, vous reposez de la stone, hop, là juste devant, et vous y mettez les plaques de pression que vous souhaitez. Moi je mets les grises, hop, comme ça ne change pas. Voilà, et c'est parfait, comme ça on peut rentrer à l'intérieur du bâtiment. J'avais juste rajouté un petit truc avant de tourner la vidéo pour faire un peu plus de déco, plus de détails, parce que c'est un bâtiment qui n'est pas très détaillé. Hop, j'avais juste remis comme ceci des petites bornes pour pas foncer. Vous savez, on en a des fois pour protéger les piétons, tout ça. Donc voilà, ça je l'ai mis là, et puis ça fait un petit peu plus de détails. Ok, donc les gars, là on se retrouve au-dessus du bâtiment. Donc vous voyez à peu près où je me trouve. Donc on est à 1, 2, 3, 4, 4, 4 espèces de. Voilà. Quatre longueurs du haut du bâtiment, je sais pas comment appeler ça. Donc vous allez ici et on va tout simplement faire un petit peu de détails. Donc là, hop, je vais remplacer par des blocs. C'est quoi déjà? Ah oui, de la grey concrete. Donc ça doit être du béton gris, je crois. Hop, voilà. Donc on remplace tout simplement comme ça. Voilà, vous voyez. Vous voyez comment j'ai fait? Je me suis décalé de deux blocs et j'ai remplacé l'intérieur, vous voyez, du troisième échelon là. Donc ça, on le fait des deux côtés, bien entendu. Hop, ici, ici. Donc ça nous fait 7 blocs à remplacer, hein. On laisse les deux extrémités en vert bleu.
Et ensuite, tous les deux blocs, eh bien, on va refaire ce fameux petit détail-là. Hop, voilà. Et pareil pour ici. On va y arriver. Tac. Voilà, c'est parfait. Donc ça, on le fait des quatre côtés. Et puis après qu'on ait fait ça, on va commencer un petit peu l'intérieur avec les détails. Puisque, comme je vous l'ai dit au début de vidéo, c'est une tour avec très peu de détails. Donc on a terminé nos petits détails qui sont tout près du toit du bâtiment. Donc cette fois-ci, on va rentrer à l'intérieur, hop, du bâtiment, comme ceci. Moi, j'y vais un peu comme un sac. Et c'est parti donc pour les détails. Donc on va prendre la white concrete, donc le béton blanc, et nous allons disposer les cubes comme ceci. Donc là, un cube ici, on s'écarte de 4 blocs, voilà, c'est parfait. Et ensuite de 5 blocs, donc 4, 5, voilà. Ensuite encore 5, voilà, parfait. On va repartir un coup d'ici, donc 4 blocs, je le rappelle, pour les côtés. Voilà, 5 blocs ensuite, parfait, et encore 5 blocs là, donc on est nickel. Ça, on le fait bien entendu partout, 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 donc tout autour du bâtiment. Donc une fois qu'on a fait ça, on va tout simplement remonter tous les piliers, donc ça c'est tous des piliers, on va tout simplement les remonter au maximum dans le bâtiment, donc jusqu'au-dessus, jusqu'au toit. Donc j'interviens là, bien entendu, dans les diagonales, vous ne passez pas à travers comme je viens de le faire parce que j'ai World Edit. Hop, voilà, vous passez pas à travers comme ceci. Vous allez tout simplement contourner le truc. Donc hop, voilà. Là, par exemple, ça se termine ici. Donc on reprend hop ici. Hop. Et puis ainsi de suite, quoi. Donc bien entendu, on fait attention à ça. Et hop, on continue toujours sur la même ligne, bien entendu, on ne se décale pas, mais on continue bien entendu à l'intérieur du bâtiment et non pas à l'extérieur. Donc voilà, une fois qu'on a commencé tous ces quadrillages, hein, je ne vais pas vous le montrer jusqu'à la fin parce que c'est chiant, donc vous avez compris le truc. Hop, bien entendu, on arrête tous les 4, voilà. Hop, tous les 4, on fait une nouvelle lignée. Hop, pour créer justement ce quadrillage. Tac, voilà, donc bien entendu tout se rejoint comme ceci. Tous les quatre, je le répète, donc hop, ici pareil. Hop, et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on soit au sommet du bâtiment. Donc voilà, là j'ai rempli enfin tout le bâtiment. Donc je vous laisse regarder un petit peu à quoi ça ressemble à l'intérieur si vous n'avez pas compris. Donc n'hésitez pas à mettre pause, prenez votre temps. Et franchement, c'est vraiment assez simple, hein, de le faire, mais les explications sont très compromises au niveau vocal. Donc, je préfère vous le montrer que de vous mélanger en expliquant ce quadrillage, car il est vraiment très simple. C'est juste les diagonales qui posent problème en fait. Mais vous avez juste à aller tout droit, vous voyez. Voilà, tout se ressemble et tout part du bas. Donc, c'est assez simple, voilà. À vous de jouer. Donc une fois qu'on a fait tout ça, on va se faire un petit sol au sommet. Donc regardez, quand je vous parlais du quadrillage tout à l'heure, il s'arrête juste deux blocs en dessous, juste ici, vous voyez. Donc il s'arrête deux blocs en dessous du sommet de l'immeuble en fait. Donc le toit est un petit peu rabaissé par rapport au sommet visuel de l'immeuble juste ici. Donc une fois que vous avez fait votre sol à l'intérieur, donc moi j'ai décidé de le mettre en laine grise, hein, à vous de choisir, hein, ça vous pouvez très bien le personnaliser, vous n'avez pas besoin de moi pour le faire. Donc on va faire cette énorme antenne. Je vous rassure, c'est assez simple, sauf qu'il pleut tout le temps dans ce monde de merde, c'est incroyable. Si vous avez des solutions, n'hésitez pas à me les proposer dans les commentaires. Et il fait beaucoup trop vite nuit, voilà. Donc on va se décaler de 3 blocs ici, voilà, donc vous prenez un coin que vous voulez, donc moi je vais prendre le premier qui me tombe sous la main, hop celui-ci, et vous allez faire 1, 2, 3, voilà, donc 1, 2, 3 partout, ici aussi, voilà, donc j'y reviendrai plus tard, et on va tout simplement dessiner un rond qui longe un petit peu le bâtiment. Donc là on va partir sur une base de 3, puis 2, hop. Voilà,
Ensuite, nous allons poser 5 blocs en diagonale. Voilà, donc là on en a 4 et le cinquième arrive. Ensuite, on repart sur 2 et puis sur 3. Voilà. Ça ne va pas. Ça ne va pas, ça ne va pas. Je sais plus comment j'ai fait mon rond. Ah oui, j'ai mis 2 x 2. J'ai cru que j'avais mis une fois 2 en fait. Pardon, autant pour moi. Donc là, hop, on sort des cales ici. Voilà, hop, on décale les 5 blocs de diagonale. Donc là, on a bien 1, 2, 3, 4 et le cinquième qui est ici. Là, on repart 2 fois sur 2. Voilà. Et le centre sera ici. Bon, si je vise bien, voilà. Donc là, on repart une nouvelle fois sur 2. 2 fois 2 blocs. Ensuite, la diagonale de 5. 3, 4 et 5. Ensuite, 2 fois 2 blocs. Hop. Et le milieu du rond, si on peut appeler ça comme ça. Hop. Voilà, qui est ici. Et on repart une nouvelle fois. 2 fois 2 blocs. Une diagonale de 5. Hop. 2, 3, 4 et 5. Hop, 2 fois 2 blocs. Et là, donc, on voit qu'on est bien centré. Hop, la dernière partie du cercle. La diagonale. Impeccable. Et hop, on revient ici avec les deux blocs. Voilà, c'est parfait. Donc, ça, on va le faire sur 3 étages. Donc, un premier ici, un deuxième ici et un troisième ici. Voilà. Donc, je vais faire ça et on se retrouve juste après. Voilà, donc une fois qu'on a fait ça, on va prendre les iron traps, donc les trappes en fer, et on va tout simplement remplir l'intérieur de tous les cercles avec ces iron traps. Voilà, c'est parfait, donc une fois qu'on a fait ça, il n'y a plus qu'à poser sur les trappes en fer tous les barreaux de fer. Hop, voilà. Donc là, je vais faire le tour entier de celui-ci. Et une fois qu'on aura fait ça, on va devoir le faire sur chaque cercle également. Je vais juste aller vérifier ça dans une petite seconde. Voilà. Donc regardez un petit peu comment j'ai fait, voilà. Donc je l'ai fait entre le premier et le deuxième, pardon, ici. Et le deuxième et le troisième. Par contre, je me rends compte que j'ai fait une connerie, c'est pas grave, on va la rattraper autrement. C'est juste que ici, hop, on va mettre une deuxième couche en dessous de ce cercle. Voilà, vous remettez un deuxième bloc pour avoir justement deux blocs de hauteur sur le premier cercle, donc le cercle plus en bas. Hop, voilà. N'oubliez pas de mettre également les piliers aux endroits où il y a les trois blocs. Voilà. Et donc, on va avoir terminé. Hop, celui-ci. Voilà, c'est parfait. Ensuite, on va continuer donc dans celui-ci avec les barreaux de fer. Et ensuite, je sais pas si on va partir à faire l'antenne ou partir à faire les petits ventilos. Donc ça, je sais pas trop encore. Les ventilos, je les avais calés là où il y avait un petit peu de vide en fait. Donc voilà. Donc voilà un peu à quoi ça ressemble à l'intérieur. Donc nous, on va partir pour faire des ventilos ainsi que l'antenne. Vous voyez l'antenne ici. Donc pour ce faire, c'est très simple. Vous reprenez votre laine grise. Vous vous décalez de un bloc ici, donc là, hop, et vous faites ceci là, tac, voilà, comme ça. Donc là, on a un espèce de ventilateur, vous voyez comme on l'a de l'autre côté. Hop, je vais y arriver. Et ensuite, vous voyez, on va se redécaler de 1 pour pouvoir faire les fils qui attachent cette antenne en fait. Donc là, je vais vous le montrer en réel, mais c'est histoire que vous puissiez vous situer. Donc là, hop, on va repartir sur 2 ici, tac, et ainsi de suite. Donc pour ce faire, vous allez le faire dans chaque endroit ici. Donc hop,
Voilà, c'est parfait. Ici, le ventilateur, parfait. Et ici, voilà, qui est parfait. Non, pas tout à fait. Hop, voilà. Et là, donc, hop, ici, on pose ces deux blocs. Ici aussi. Et ici aussi. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va tout simplement, regarder, hop, remonter de plusieurs blocs partout. Hop, voilà, on va y arriver. Jusqu'à ce qu'on se rejoigne en son centre. Hop, donc au centre de comment ça s'appelle ? De l'antenne, voilà. Hop. Donc là, on va être pas mal. Pareil pour ce côté-ci. J'en pose des blocs à côté. Hein. Hop, voilà. Donc on enlève ceux qui nous ont aidés. Et donc la dernière, et c'est horrible cette pluie, c'est incroyable. Proposez-moi un mode en 1.14, parce que là j'en ai vraiment ras le cul. Je sais pas si c'est parce que j'ai fait mon monde avec World Painter ou quoi, mais il pleut beaucoup plus que dans les autres mondes. Alors c'est vraiment horrible. Donc si vous avez une solution, n'hésitez pas à m'en parler. Hop, ici, ici, et là donc on rejoint le centre de voilà de l'antenne. Donc on va aller voir de l'autre côté comment j'avais fait ceci. Voilà, donc là vous voyez que tout se rejoint comme ça, et après il y a une grande antenne qui est jusqu'au-dessus, je crois, ouais voilà, on est jusqu'à la limite du constructible. Et donc on va essayer de reproduire ce même schéma hop sur cette tour là. Donc, on reprend nos blocs, hop, on arrive ici, la tour va jusqu'à ce qu'on puisse ne plus construire. Hop, voilà, là, normalement, on y est, on y est, on y est, parfait. J'ai bégayé, là, je sais pas ce qui m'est arrivé. Et ensuite, on va faire ces espèces de boules, là, que l'on a sur l'antenne d'en face. Donc, hop, on va commencer comme ça. Et après, vous voyez que j'ai mis du barreau de fer autour. Donc pour étoffer un petit peu l'antenne. Donc ça on va le faire tous les... Je ne sais pas combien d'ailleurs. Je ne sais pas combien on va le faire. Donc je vais déjà placer les barreaux de fer pour me donner une idée. Hop. Et donc là on va le faire tous les deux blocs. Vous voyez là on repose comme ceci les barreaux de fer. Ensuite on repose les blocs. Et on repose les barreaux de fer une nouvelle fois. Voilà. Et ce, jusqu'à ce qu'on soit au sommet de l'antenne. Donc voilà, là c'est parfait. Les barreaux de fer, on va en poser un petit peu partout maintenant. Donc là, hop, on va faire rejoindre ces barreaux de fer là. Et on va les descendre jusqu'en bas sur chaque pilier. De face comme de dos. Donc ce que j'entends par là, c'est qu'on le fait devant et derrière ici. Sur les 4 piliers qui vont tenir l'antenne. Donc voilà, c'est parfait, on a une belle petite antenne. Et maintenant, nous allons tout simplement terminer le boulot en faisant des ventilateurs un petit peu partout. Donc là, hop, on va les faire comme ceci, et comme cela, et comme cela. Voilà. Donc là, ça, on va le faire sur chaque côté, les ventilos que tout le monde connaît. Hein, c'est pas moi qui les ai inventés, ceux-là. Hop. Et ici, donc, on va se rejoindre par tous les bouts. Donc hop, avec des barreaux de fer pour mimer un petit peu tout le bazar qu'il y a, qu'on peut retrouver sur un toit de building aussi grand que celui-ci. Et donc voilà, une fois qu'on a fait tous ces petits ventilateurs, on va terminer en ajoutant un petit peu de consistance là-haut, voilà. Donc là, hop, on redescend l'échelle en fait. Enfin l'échelle, qu'est-ce que je dis ? L'antenne, pardon, hop, jusqu'au sol. Et ensuite, hop, on va rejoindre, tac, juste un bloc en dessous pour pas que les barreaux de fer s'attachent. Donc ça, hop, ici aussi. Donc les quatre côtés, hein, comme d'habitude. Voilà. Et puis ici, et on va être pas mal, hein, je crois bien, une fois qu'on aura fait ça. Voilà, donc là, c'est nickel. On va peut-être refaire un grand truc comme ça, hop, ici.
Ensuite, on en refait un ici. Donc, en fait, de chaque côté, hein. C'est toujours pareil, forcément, il y a 4 murs, donc on le fait 4 fois. Voilà. Et là, on va essayer de faire un grand ventilo. Tac, nickel. Pareil ici. On va mettre une trappe en fer pour mimer, je sais pas quoi, le moteur du ventilo ou je sais pas quoi. Hop, voilà la trappe ici. Et ici. Et là, on va essayer de les faire. Hop. Voilà. On les fait correspondre comme ceci. Tac. On va dire que c'est les refroidisseurs de l'antenne. Je sais même pas si ça existe. Voilà, et puis c'est parfait. Hop, on rejoint tout ça de chaque côté. Et on est pas mal, les gars. Donc, on va sortir de là. Donc, regardez un petit peu le rendu. On a vraiment une très très belle tour, assez facile à faire, assez rapide à faire également. Donc voilà, c'est à la portée de tous et puis vous pouvez tous réussir à construire ce bâtiment. Donc en tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker et à laisser vos commentaires si vous avez des questions ou encouragements à me faire subvenir. Et n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper la suite de notre aventure. Moi je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, ciao bye tout le monde, c'était Kerose.